Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test. Pardon. Donc je vais tester les petits pendentifs de chez Pandahol. Voilà. Ceux-là. Donc on va faire avec la résine UV. Voilà. Donc j'ai pris mon petit scotch pour faire la résine. J'ai pris la petite lampe UV et donc la résine UV. Et pour mettre à l'intérieur, j'ai choisi des petites fleurs que j'ai trouvées sur AliExpress, de la peinture blanc titane que ma sœur m'a offert et des petites paillettes bleues. Voilà. Donc, je vais chercher la paire de ciseaux parce que j'ai oublié les ciseaux. Et je reviens. Donc, voilà, je suis allée chercher les ciseaux. Voilà, j'espère que c'est plus ou moins cadré parce que bah, du coup, je ne vois pas l'image, vu que je filme avec mon téléphone et je vois pas le retour. Donc voilà. Alors, je suis allée chercher mon petit scotch bleu. On va en prendre un petit morceau. Voilà. Et on va venir poser les petits pendentifs. Et le dernier. Oui. C'était le câble de la télé. Voilà. Hop. Donc là, on appuie bien derrière pour que ce soit bien étanche. Moi, j'ai ma bague, vous voyez, elle fait du verre sur mon doigt. Voilà. Histoire que la résine ne passe pas en dessous. Et voilà. Je vais les mettre dans votre sens. À vous. Et donc, on va commencer. Donc, j'ai pris cette résine là que j'ai pris chez... Où est-ce que je l'ai prise? Bah, sur Amazon. Hein. Souvent, je commande sur Amazon. On va mettre une première petite couche. Attention qu'il n'y ait pas trop de bulles. Voilà, pareil sur les autres. Après, je vais venir les étaler avec une petite, un petit outil. Ah ben, je les ai oubliés. Ah, c'est le comble. Je vais chercher un petit cure-dent, du coup. Je reviens. Voilà. Donc, j'ai pris des petits cure-dents. Hop. Là, je vais venir enlever les bulles, hein, déjà. Et puis, bien le mettre jusqu'au bout. Par contre, franchement, elle sent pas très bon. Hein. Ouh là là, il fait tellement chaud qu'elle a déjà commencé à sécher ma résine. C'est un truc de fou, c'est tellement il fait chaud. Donc du coup, on va faire comme ça. Et là, on va en mettre un petit peu comme ça. Voilà. Hop. On va aller chercher une petite fleur. Ça va faire du bruit. Petite fleur séchée. Voilà, une petite fleur comme ça. Non, mais une, en fait. On est que sur ta bonne femme, on est deux doigts.
c'est incroyable comme elle a déjà séché. J'enlève le petit bout ici parce que ça passe pas. Voilà. On va y mettre un petit peu de paillettes bleues. Pas beaucoup, hein. Hop, voilà. Là, on va fermer. On va remettre du coup la résine par-dessus. Voilà, donc apparemment il n'y en a pas besoin, mais bon, on va quand même la sécher. Là, je le fais sur ma terrasse, tellement il fait chaud, parce que dans l'atelier, c'est pas possible. Quoi, ça, c'est une grosse bulle que j'ai fait. Ah, c'est déjà chaud, c'est déjà dur. Bon, c'est pas la peine de faire de la résine l'été, il fait trop chaud. On va quand même faire les deux d'à côté. Donc là, on va lui mettre, hop, une petite fleur rose comme ça. Voilà. Je vais voir si ça rentre. Il ne veut pas se mettre comme je veux. On va la mettre comme ça. On va mettre un chouï de résine dessus. Histoire
de la faire prendre. Hop, j'ai une bulle. Bon, ben j'arrive pas à l'enlever. C'est beaucoup trop chaud. Beaucoup, beaucoup trop chaud. On passe la lampe UV. Voilà. Et là, je voudrais essayer de mettre un petit peu de blanc titane pour voir ce que ça donne. Mais vraiment pas beaucoup, quoi. Hop, on va remettre par-dessus. Alors, il faut ouvrir le bouchon, autrement ça fonctionne pas. Voilà. Voilà. Et lumière bleue. Alors, j'ai voulu faire un essai là pour faire la vidéo de Panda Hall, mais sincèrement, je vais laisser tomber la résine pour l'hiver, pour l'été, parce que c'est pas possible. Elle durcit beaucoup, beaucoup trop vite. Vous voyez, là, j'ai même pas mis de la lampe UV, mais il y a tellement de soleil que j'arrive même pas à enlever les bulles, tellement ça sèche vite. Donc, je pense que c'est bon. Ouais, quasiment, hein. Et sur la dernière, donc je voulais essayer de faire un dégradé de blanc, mais ça va peut-être être un fail, hein, on verra bien, hein, mais on verra bien. Donc, oh, si le vent se lève maintenant, donc je voulais en mettre un peu tout en haut, comme ça. Dans ma tête, ça a l'air pas mal, hein. Bon, maintenant, j'aurais dû prendre un petit pinceau, peut-être.
Non mais même la peinture, elle sèche hyper vite. C'est un truc de mec de fou. Voilà. Et ensuite, je voulais la faire partir comme ça là. Mais faire plusieurs couches. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Voilà, on va faire une couche de résine et ensuite on le refera un par-dessus. On catalyse. Et on refait un petit peu de blanc. Je voudrais mettre des paillettes aussi, tiens. Entre les deux. On essaye, hein. Et du coup, on va remettre un petit peu de blanc. Voilà, dernière couche de résine. Et on recatalyse. Donc voilà. Là, c'est bon, ça a catalysé. Donc maintenant, je ne sais pas si je vais pas en remettre une là, une petite couche là. J'enlève la petite peinture que j'avais rajoutée là, mais bon, faudra que je le lime. Donc il n'y a plus qu'à le retirer.
Hop. Et on va mettre une petite couche de l'autre côté. Voilà. Bon, il y a des bulles hein, dedans. Il fait tellement chaud que les petites bulles, j'ai même pas réussi à les enlever. Voilà. Donc voilà ce que ça nous donne une fois terminé. Alors j'aime bien celui de droite avec la petite fleur rose. J'aime bien celui du milieu. Par contre, celui à droite, le triangle, c'est un fail. Mais j'aime pas du tout. Voilà, regardez ce que ça nous donne. La peinture, ça fait pas beau du tout. J'aime pas du tout. En transparence. En plus, si j'ai le zoom qui se fait pas, voilà, en transparence, c'est pas beau, c'est vraiment pas beau. Donc, la forme du pendentif est sympa. Ce que j'ai fait dedans, c'est très moche. Berk, berk, berk. J'aime pas. Voilà. Ensuite, celui-là est plutôt pas mal. On voit en transparence, on voit la grosse bulle ici aussi. Mais j'aime bien, franchement. Franchement, j'aime bien. On voit bien la petite fleur bleue, là. Avec les petites paillettes ressortent aussi. De l'autre côté, c'est... Bon, à part le blanc qu'il faut que j'enlève, là. Mais, ouais, non. Celui-là, je pourrais le mettre. Voilà. Et le dernier, donc, le petit rose. Il est où? Il est là. Donc, c'est celui que je trouve le mieux. De ce côté. De l'autre côté, c'est pas très joli. Mais bon, ce côté-là, il est contre la peau, donc c'est plutôt celui-là. Mais celui-là, allez, tu zoomes? Tu veux pas zoomer? Ah. Voilà. Bon, je peux pas l'avoir mieux. Mais vous voyez, même en transparence, il est plutôt pas mal. Hein, il veut pas, hein, il m'énerve ce téléphone. Donc voilà. Attendez, je vais essayer de la voir mieux. Parce que je voudrais en fait que vous voyez bien les couleurs. Et là, on les voit pas très très bien. Il est où? Il est là. Voilà, là on le voit un petit peu en transparence. Voilà, là il est... Donc vous voyez, il y a plein de bulles. Hein. Franchement, trop trop chaud. Voilà ce que ça nous donne. Donc ces pendentifs sont vraiment très très bien par contre. Donc ils viennent de chez Pandahol. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et vous verrez, franchement, il y a des trucs sympas dans cette boutique. Vous pouvez y faire un tour. Il y a vraiment des trucs vraiment jolis. Mais bon, voilà, pour la résine, en tout cas pour ma part, je vais plus en faire de tout l'été. Parce qu'il fait vraiment trop chaud. Là, on est presque on doit être à 38 ou 39. Il fait vraiment chaud. Voilà, et bien écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. Je voulais vous montrer ces petits pendentifs qui sont vraiment sympas pour la résine. Bon, je pense que vous pouvez faire plein d'autres choses avec. Hein. Moi, je voulais tester avec la résine. Et je suis contente. Voilà, à refaire cet hiver. Voilà, ou à la fin de l'été. Voilà. Parce que là, trop, trop chaud. D'ailleurs, je suis dégoulinée tellement il fait chaud ici. Voilà. Ben écoutez, moi je vous fais plein de bisous. J'espère que vous allez passer un bel été. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Tchuss !